Madame, vous n'aviez pas le droit d'entrer ici. Le magasin est fermé. Si toutes les clientes faisaient comme vous... Non, mais si toutes les clientes faisaient comme moi, toutes les clientes s'appelleraient Fabienne Tabar. Je suis la femme du patron. Oh, excusez-moi, je suis vraiment confus, je suis désolée. Non, mais c'est pas grave du tout. Vous faites votre travail, c'est vous le nouveau. Oui, c'est moi, oui. Antoine, c'est ça? Qu'est-ce que vous pensez de ces chaussures? Elles sont trop dorées pour la robe, hein? Oh, vous avez raison. Je vais le jouer autrement. Allez me chercher une paire de sandalettes comme celle-ci, mais à bout de satin noir, du 4,5. D'accord? Oui. Changer, monsieur Tabar, qui s'impatiente. Vous voulez répondre? Allô? Je comprends pas bien ce que vous me dites. I don't speak. Moment. C'est en anglais, je comprends rien du tout. Allô? Dick? Yes, I know, I'm late. I'm sorry. Yes? Well, you go ahead, we'll join you. I'm sorry I was held up at the store. Right, tell Jeannette. I'm sorry. Georges is waiting outside. Goodbye. J'ai besoin de me rapporter ça à l'appartement. Vous me montez maintenant. Bon, je file. Bonsoir, Antoine. Vous savez comment on ferme? Vous travaillez bien tard. Allô, Ida? Salut, Antoine. Bonjour, c'est Antoine, là, sur l'affaire Cendrillon. Alors, monsieur Tabar est surnommé le dinosaure par son personnel. Ah, j'ai fait la connaissance de madame Tabar. Elle a une voix enchanteresse et parle l'anglais avec une pureté admirable. Donnez-moi son signalement. C'est une femme superbe. Avec un air très vague et très doux. Le nez est un peu relevé, mais droit et spirituel. Sa taille? Ah là, la taille est lancée. Non, je vous demande combien elle mesure. Oh, 1m66, sans talons. C'est un ovale très pur. Enfin, un ovale un peu triangulaire. Mais le teint est lumineux et comme éclairé de l'intérieur. Antoine, ce qu'on vous demande, c'est un rapport, pas une déclaration d'amour. Bonne nuit.